Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller semer le blé. Donc hier soir, j'ai tout attelé. Il reste à faire quelques réglages. Parce que comme on a changé les dents de la rotative qui sont toutes neuves, on avait réglé ça. Et du coup, là, touche pas par terre. Comme on peut voir. Voilà. Donc, il n'y aura pas de vidéo sur la préparation des sols parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc vous avez vu normalement la vidéo des chômages. Non, là, le rejeton est de sortir demain. Donc voilà, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un coup de décompacteur parce qu'en déchaumant, j'ai vu qu'il y avait des endroits où les disques se plantaient pas très bien. Suite à ça, suite au décompacteur, comme ça faisait des bosses et qu'il restait, que ça avait fait des mottes, j'ai repassé un coup de disque. Et puis après, j'ai roulé pour bien rappuyer. Comme ça, le rouleau, il finit de casser les quelques mottes qui restent. Et surtout, en fait, ça me bloque les grosses mottes. Ça me les bloque, ça me les tasse, en fait. Et après, avec la rotative, ça va pas me les faire bouger. Et voilà. Et puis après ça, j'ai pendu de l'engrais, enfin, d'un engrais de fond. C'est du 0,25-10 et du phosphore et de la potasse. Et on va faire les réglages et régler le semoir. Ouais, là, du coup, tout est réglé, tout est monté. Cette année, on a fait l'achat de vendeur anti-masque. J'ai testé tout ça, ça marche. Bon, c'est tout con le système. Donc, on l'a acheté sur les nouveaux maintenant, déjà ce châssis là. Moi, j'ai fait ce T là qui rentre dans les dans la masse. Un câble qui court jusqu'à l'intérieur. À l'intérieur, un interrupteur et puis c'est bon. Là, on a réglé. Enfin, je vais voir ça parce que. Ouais, c'est chaud. Bon, pour l'instant, je vais le laisser là, on verra bien. Voilà, là, ça c'est plein, prêt à partir. Donc, voilà. Donc, allez, on se retrouve au champ. Donc, voilà, là, on est au champ. Donc j'ai fait quelques tours pour bien tout régler. Donc là, ça marche très bien. Hop, après, là voilà, donc on a réglé la profondeur de la rotative vu que j'avais changé les dames. Et là le semoir, on l'a mis à ce qu'il soit de niveau. En fait ici là, on a ça là. Et en fait, une fois qu'on est au champ, qu'on est posé, on a ce triangle là, et bien en fait c'est censé être en face. Et là au moins comme ça on sait qu'on est de niveau. Et que le semoir est bien plat et qu'il sème dans les bonnes conditions. Donc ici là, comme je vous ai dit, on a déchaumé le tronçon sol, donc vous avez vu la vidéo. Ensuite à ça, on a fait un décompactage. On a décompacté parce qu'il y avait des endroits où ça se plantait mal, le couvert propre. Donc on a décompacté. Après, en suivant du décompacté, quelques jours après, ouais, une ou deux semaines après, on a passé un autre coup de disque là pour préparer le sol et pour raffiner les mottes qu'avait sorti le décompacteur. Et pour raplanir, ouais, surtout. Voilà, et suite à ça, vu qu'on avait encore quelques mottes, on a passé un coup de rouleau. Coup de rouleau, comme on peut voir, c'est roulé. Pour tout rappuyer. Et au moins, par exemple, là, vous avez une motte. Imaginons, voilà, là, c'est une motte qui est sortie, qui aurait été comme ça s'il n'y a pas eu le rouleau. La dame va passer et la motte va s'éjecter. Alors que là, si la dame passe, mais la motte, elle va pas pouvoir bouger très loin. Du coup, la dame va la casser. Et aussi, déjà, le rouleau l'a assez fragilisé et ça permettra à ce qu'elle se casse mieux. Donc là, on a le 511 avec la semence, le Someka et le tracteur. Donc là, comme souvent, j'aimerais bien faire, là. En fait, ce champ, il part en arrondi et du coup, moi, j'ai tiré droit. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Thank you.
Ouais, on a fait, je sais pas si vous allez voir, on a fait le champ qui est derrière là-bas, au fond, 9 hectares. Et il y a la semaine dernière, en fait, il nous manquait ce sac que la coopérative n'a pas pu nous livrer avant. Donc là, on l'a reçu aujourd'hui, donc on va le semer. Donc voilà ce qui nous restait, à peu près, de la dernière fois. Ça, c'était un bidon de reste de l'an dernier. Et du coup, là, je vais faire un réétalonnage parce que c'est pas les mêmes. En fait, celui-là, c'est la même variété que celui-là. Il fait le même PS, 48. Et du coup, là, je vais faire régler le semoir pour vraiment avoir la bonne dose à l'hectare. Parce que comme je vous dis, là, c'est un bidon qu'on a mis, un petit bidon, mais il n'y a rien qui est passé. Bon, allez, hop. Là, on pousse là-bas. Ça, on pousse là. Et là. Tac. Là. Là, nickel. Là, on vient sortir. Là. Hop. Donc pour ce semoir, il faut fermer cette sortie, cette sortie, cette sortie, cette sortie et cette sortie. Puis après, bon déjà je vais fermer ça. Hop. Enculé. Bon. Ah, on est bon. Et là je vais finir de les tirer. Là. 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 Donc là, on a un grain qui fait 48 de PS, de PMEG, poids de 1000 grains. En fait, 1000 grains, ça fait 48 grammes. Donc, en sachant ça, on sait que nous, on veut mettre 250 grains à hectare. Donc, on convertit avec le poids qu'on a. Ça nous fait du 120 kg hectare qu'il faut qu'on mette. Donc ici, en fait, on va venir faire 45 tours et demi de manivelle. Et ça va nous, pour ce semoir-là, en fait, ça correspond à l'équivalent d'un dixième d'hectare. Donc, en fait, il faut qu'on trouve 1,2 kg. Il faut que 1,2 kg de graines tombe. Voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on sera bon. Il sera opérationnel. Bon, là, je vais l'augmenter parce que l'ancien, il faisait que 41 de PS. Donc là, on va venir faire 45 tours et demi de manivelle. On essaie.
Attends. Il y en avait 15 déjà là. Lève en arrière. Ça va pas couler en arrière. En plus là il y a quelques graines de... Bon là on peut voir que la préparation finalement ça se fait pas si mal. On a quand même la terre fine. Bon on a des mottes, on a quelques mottes là. Bon après ici là c'est une zone sableuse. Là on a une veine dans le creux là, je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu creux là. On a des mottes là aussi. Mais et bon là ça va. Là c'est une zone où il y a des cailloux. Bon c'est pas des cailloux dérangeants hein. Ils sont comme le pouce là. Pas comme une certaine région où les cailloux il faut les ramasser là et tu les ramasses, tu les même tu les broies pas, ça sert à rien. Donc là on peut voir que ça a fait du travail quoi. Là c'est nickel ça. Bon, après ici c'est très sableux là. Ici là on le voit que c'est très très sableux. C'est ouais, on voit une motte là. Le fait on voit que c'est vraiment du sable. Alors que là-bas dans la veine là, ça c'est de l'argile là-bas et on revoit directement qu'il y a plus de mottes. Ici là où il y a un peu plus d'argile, voilà, il y a les mottes. Bon ça après c'est pas très dérangeant parce qu'il y a quand même du fin. Bon il y a quelques graines en dessus qu'on voit, mais c'est pas dérangeant. Là avec le rouleau ça va bien me rappuyer tout ça. Être nickel. Ouais donc comme je vous ai dit ici en fait sur tous les champs on a passé un coup de décompacteur. C'est surtout sur ce champ là en bordure de haie où ça prend pas beaucoup le jour, où ça prend pas beaucoup le soleil, que c'était tassé. Comme c'était humide quand on a moissonné, ça a vachement plus tassé et du coup il y avait vraiment besoin de passer un coup de décompacteur. Même d'ailleurs je n'ai cassé un boulon de sécurité. Donc voilà.
Donc le rendu final, ça a donné ça avec. Donc ça m'a fait quand même des mottes. Hein. Mais après, avec le disque, j'ai réussi quand même à les affiner un peu plus. Et voilà, ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, c'est directement après avoir broyé, passer le décompacteur. Comme ça, après deux coups de disque, ça y aurait plus travaillé quoi. Bon allez, je vous reprends. Bon alors là, je viens de finir de semer. Juste après le semi, on vient, toujours le même tracteur, juste dételé. On vient passer le rouleau. Pourquoi faire ? Déjà deux actions. Donc comme on peut voir, il y a quelques mottes. Encore. Bon là, on peut voir qu'il y a quand même du chien dedans. Bon, j'espère qu'il va pas repartir, on l'avait désherbé et travaillé pour éviter que ça reparte, mais bon, on verra bien. Donc voilà, donc on a quelques mottes, et le rouleau, lui, va venir finir de les briser, ce qui peut briser, hein, parce que ça va pas faire de la terre fine non plus, ça travaille pas comme un outil de travail du sol, quoi. Ça va vraiment venir le casser en choc, en appuyant dessus, et si ça se casse pas, mais ça va se rappuyer. Et justement, comme le semeur qu'on a, il a juste, il y a les disques qui ouvrent, et au milieu, il y a le grain qui tombe, et après, il y a une herse peigne qui vient recouvrir le tout, et du coup, il n'y a pas de roue de rappui comme il peut y avoir sur les semoirs récents. Donc en fait derrière, on peut voir quand même qu'il y a encore des grains en surface, quelques-uns par-ci par-là. Et surtout c'est soufflé, on peut voir. C'est pas rappuyé du tout. Donc là on vient rappuyer le semis pour vraiment qu'il y ait un contact terre-graine maximal pour favoriser la germination. Et aussi on va faire remonter l'humidité par capillarité du sol. En fait la capillarité c'est quoi ? C'est vous prenez un bac, vous mettez un peu d'eau, vous prenez une éponge, vous la mettez à l'intérieur, vous appuyez sur l'éponge et vous verrez que l'eau remonte par éponge. C'est tout simplement juste ça. Là on vient favoriser ce phénomène en tassant. Donc voilà, du coup ça permettra de relever la fraîcheur parce que il prévoyait quelques millimètres. Bon, ici c'est pas battant, on n'a pas de sol battant, mais ça fera pas de mal de rappuyer, surtout que derrière, comme je vous dis, c'est soufflé, parce que comme vous pouvez voir, il y a des ronds comme ici où c'est vraiment de la cendre, c'est vraiment de la farine qu'on a. Et le rappuyer, ça y fera du bien parce que là c'est soufflé que ça a un peu plus. Et venir le rappuyer là, ça permettra un meilleur contact terre-graine et une meilleure levée. Vous voyez là il n'y a pas de motte en fait. Voilà, c'est de la boulbène à la terre, et là où je vous ai montré tout à l'heure, c'était de l'argile. C'est ça qui change. La boulbène, c'est surtout constitué de limon. C'est pas battable parce que comme il y a l'argile. Allez, on va continuer de rouler. Thank you.
allez, les semis, c'est terminé. Le roulage, pareil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous donne un indice de la prochaine vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez que ça pourrait être. Allez, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.